Bonjour, moi du futur. C'est toi, ça fait 10 ans. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette vidéo, mais on l'a fait. Bon, 10 ans, c'est un peu trop, hein. Je ne m'imagine pas survivre tout ce temps. Je t'imagine mourir dans 2-3 ans, soit par une overdose, une hypothermie, manger par des loups, tomber d'une montagne ou quelque chose comme ça, mais disons c'est trop, hein. Bon, en ce moment, j'étudie français, la langue française. Tu sais que ce n'est pas notre choix. J'espère que tu as refait tes études. C'était notre rêve d'étudier traduction ou interprétariat, mais il y avait des obstacles. J'espère vraiment que tu as refait tes études parce que je ne t'imagine pas comme prof de français ou quelque chose comme ça. Cette vidéo me stresse parce que le futur me stresse. Tu sais que, bon, je ne sais pas si tu as changé, mais tu sais qu'en ce moment, on pense jamais à demain. Que va-t-on faire après la fin des études? Que va-t-on travailler? Je ne sais pas. Comment sortir de cette petite ville de merde? Bon, pour le moment, on a la cité universitaire, mais après, comment on va faire? On peut pas rester ici. Sinon, je vais vraiment te considérer comme un loser. J'ai peur que tu abandonnes tes principes ou que tu changes ta nature. C'est parce que ça sera vraiment grave. Si tu es toujours en vie, j'espère vraiment que tu n'as pas subi le mode de vie zombie, l'adulte zombie. Tu te réveilles à 7 heures, tu vas au travail. Tu sors à 5 heures, tu mets un film et tu dors. Je ne veux vraiment pas imaginer ce mode de vie pour toi. Après 10 ans, moi, au revoir. Cher futur, Amadou dit futur, non bada. J'espère que si tu as choisi ma wali, ma haoudi na wada. Amahi galle, parce qu'on est tari, ma yo, kissa les jam. Ce doum benni, tu commis ha juni, adene yima. Cher futur, merci de m'avoir écouté. J'espère que ta vie sera comme je l'ai espéré. Cher futur, futur, moi. Cher futur, futur, moi. Cher futur, moi.